Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Ouverture aujourd'hui à Paris du sommet de l'Élysée pour la sécurité et la paix en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui se trouve en ce moment dans la capitale française, prendra part à cette rencontre ainsi qu'une quarantaine d'autres pays africains. Les questions de sécurité, avec notamment le dossier centrafricain, du développement économique et du changement climatique sur le continent, seront abordées lors de ce conclave. Et ce rendez-vous témoignera également de l'évolution des relations entre la France et les pays africains. Un grand et illustre homme vient de quitter ce monde. Nelson Mandela n'est plus. Le héros de la lutte anti-apartheid a tiré sa révérence dans la nuit d'hier. Il s'est éteint à l'âge de 95 ans à son domicile de Houghton à Johannesburg vers 22h45. Le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé la tenue de funérailles nationales pour Nelson Mandela. Et dès ce vendredi, les drapeaux seront en berne dans la nation arc-en-ciel jusqu'aux obsèques. Dans le monde entier, de nombreuses personnalités ont réagi après avoir appris son décès. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, Nelson Mandela est une source d'inspiration pour le monde et pour l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, celui que l'on appelait Madiba, est le symbole du vivre ensemble. La lutte historique et sans relâche de Nelson Mandela contre l'apartheid a fait de lui un héros en Afrique du Sud et dans le monde, une lutte qui lui a valu 27 ans derrière les barreaux. Comment s'est déroulée son arrestation? Qu'en était-il de sa vie en prison? Quelles sont les circonstances qui ont entouré sa libération et son accession à la présidence? Des éléments de réponse dans ce reportage de Marie-Laure Goran. Figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, symbole de paix et de respect des droits de l'homme, prisonnier politique le plus célèbre, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Nelson Mandela. Madiba, comme l'appellent les Sud-Africains, a passé 27 ans de sa vie en prison. Son crime, son investissement dans la lutte contre le régime de l'apartheid, à savoir la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci sur la communauté noire. 1952, première arrestation, première condamnation. Nelson Mandela est poursuivi pour non-respect des lois de l'apartheid et pour communisme. Condamné à 9 mois de prison, il sera finalement placé en liberté surveillée. 1955, une année clé. Le 9 février, le gouvernement fait raser un quartier de Noirs qualifié de rebelles anti-apartheid dans la banlieue de Johannesburg. L'ANC, le Congrès national africain, réplique, adopte la charte de la liberté, manifeste politique anti-apartheid. Le 5 décembre 1956, Mandela et des membres de l'ANC, pas moins de 150, sont accusés de trahison. Un crime pouvant être sanctionné par la peine de mort, mais ils seront tous acquittés à l'issue d'un procès en 1961. Pour autant, les difficultés ne s'arrêtent pas pour Mandela et l'ANC, désormais interdit de toute activité. Nelson Mandela et ses compagnons abandonnent alors la non-violence et mènent la lutte armée contre le pouvoir. 1962, Mandela est à nouveau arrêté de retour d'un voyage à l'étranger. Il est condamné pour incitation à la grève et déplacement illégal. En 1963, Nelson Rolihlahla Mandela fait face à de nouveaux chefs d'accusation avec d'autres leaders de l'ANC. Ils sont inculpés pour sabotage, trahison et complot. En mai 1964, s'ouvre le procès historique de Rivonia. Le verdict est lourd. Mandela et ses 7 co-accusés sont condamnés à la prison à vie. Nelson Mandela passe 17 ans à la prison de l'île de Robben au large du Cap. Soumis à des travaux forcés, Mandela vit dans des conditions difficiles, contracte la tuberculose. En 1982, Nelson Mandela est transféré à la prison Paulsmoor. Au cours de ses années de détention, il refusera toujours sa libération contre le renoncement public à la lutte contre l'apartheid. 1986. Commence toute une série de rencontres avec les autorités sud-africaines. Les choses se mettent en place pour la libération de Mandela. 1988, il est placé en résidence surveillée aux abords de la prison Victor Wester de Paarl. La liberté, elle arrive enfin, le 11 février 1990.
l'ANC et le Parti communiste sont légalisés. Mandela aura passé en tout 27 ans et 190 jours en détention avant d'être libéré sous la présidence de Frédéric de Klerk en février 1990. Et on sait tous, Nelson Mandela était également un symbole de paix dans le monde entier. Le héros de la lutte anti-apartheid a plusieurs fois pesé de tout son poids en matière de réconciliation, tant en Afrique du Sud, sur le continent que sur le reste du monde. Francis Boifo revient sur les grandes actions de paix et de réconciliation menées par Nelson Mandela. Premier acte fort de Nelson Mandela en 1991, au lendemain de sa libération, la négociation avec le gouvernement de Klerk. Il est inspiré par cette idée et je cite, « Pour faire la paix avec un ennemi, il faut travailler avec cet ennemi et cet ennemi devient votre associé. » Fin de citation. Chemin faisant, Nelson Mandela reçoit en octobre 1993 le prix Nobel de la paix en même temps que Frédéric de Klerk. Ainsi souffle en Afrique du Sud un vent de décrispation. La fin de l'année 1993 voit la mise en place d'un conseil exécutif de transition qui associe les Noirs à l'exécutif. Plusieurs mois après, les électeurs sont appelés à faire un choix entre le bâtisseur noir, Nelson Mandela, et le démolisseur blanc de l'apartheid, Frédéric de Klerk. Surprise, Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Nous sommes en 1994. Le héros de la lutte contre l'apartheid marque encore le monde lors de son discours d'investiture à travers cette phrase, et je cite, « D'un désastre humain qui n'a duré que trop longtemps doit naître une société dont l'humanité tout entière sera fière. » Fin de citation. Sur cette base, il forme un premier gouvernement aussi inclusif que possible. En 1995, est créée la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, que présidera Mgr Desmond Tutu pendant 7 ans. Le rôle de cette commission, sanctionner les crimes de l'apartheid sans accroître la déchirure entre les communautés noires et blanches. C'est l'esprit Mandela, un esprit fondé sur le dialogue sans exclusion et la paix. Le 31 décembre 2001, le président Mandela reçoit les conclusions des travaux de la CVR. Elles portent pour l'essentiel sur l'indemnisation financière des victimes de l'apartheid, de l'édification de monuments publics commémorant la souffrance des victimes et surtout l'amnistie à des personnalités et des inculpés, tous bords politiques confondus. Conscient de ce que la réconciliation était à ce prix, Nelson Mandela mobilise les institutions et les membres de son gouvernement. Plusieurs personnes sont indemnisées, des politiques et des criminels sont amnistiés. Acte de sagesse donc. Hier, héros de la lutte pour la liberté, Nelson Mandela devient le symbole de la réconciliation en Afrique du Sud. Et le monde entier le lui reconnaît, les hommes des médias également. Des documentaires sont ainsi réalisés à travers le monde, retraçant le processus de réconciliation en Afrique du Sud pour qu'il fasse école en Afrique et dans les autres continents. Normal, Nelson Mandela a enseigné jusqu'au dernier souffle que l'idée de réconciliation requiert la tolérance mutuelle, la reconnaissance des droits fondamentaux des hommes et des femmes, le pardon et la non-violence. Guidé par ces valeurs, Nelson Mandela a fait la paix avec son ennemi d'hier, Frédéric de Klerk. Et à travers eux, les communautés noires et blanches ont compris la nécessité du vivre ensemble. Conséquence immédiate, le développement socio-économique de la nation, arc-en-ciel. Direction Soweto à présent, une banlieue située à 15 km de la capitale sud-africaine Johannesburg. C'est en ce lieu que résidait Nelson Mandela. Notre reporter Delphine Bla était en mars dernier en mission en Afrique du Sud et là-bas, elle a pu visiter cet endroit historique devenu aujourd'hui un musée et connu sous le nom de Nelson Mandela House. Mandela House, la maison de Mandela, petite maison de briques rouges, maison construite en 1945 à Soweto. La demeure est située au 8115 de la rue Vilakazi dans le quartier pauvre de Soweto. C'est la première maison de Nelson Mandela à Johannesburg. La maisonnette de 3 pièces a ouvert ses portes au public il y a 4 ans, après 1 an de travaux de rénovation. Aujourd'hui, la Mandela House est plus que jamais un lieu de pèlerinage. C'est un coin d'héritage. Pour parler du grand homme, le président Mandela. Le grand homme, comme lui-même, c'est un individu d'abord, qui s'est marié deux fois. Et aussi, c'est devenu un héritage parce que c'est un homme qui a l'histoire sur toute l'Afrique du Sud. Ce grand homme, Nelson Mandela,
a regagné cette résidence avec sa première femme Evelyn lorsqu'il est sorti de prison en 1991, après 27 ans d'incarcération. Cette maison raconte donc la vie de Madiba, surtout celle de la période de l'apartheid. Visite guidée. Cette ceinture a été donnée au président Mandela quand il a quitté la prison. Nelson Mandela's military boots. Ça, c'est les chaussures que le président Mandela utilisait quand il était militaire. Family camera. Ça aussi, c'est quand il était militaire. Family album. Puis tout ça là, c'est pour la famille. Mandela and first wife Evelyn. Ok, ça c'est pour la famille. Et Mandela and first ici, par exemple, on voit le président Mandela et sa première femme. Ça s'appelle Evelyn. Mandela in Algeria, 1961. En 1961, il était en Algérie. Ça c'est le chapeau du président Mandela. La table et les chaises sont des objets. La chaise est originale. Les tables aussi sont originales. Ça, c'est la photo qui a été prise quand il est sorti de la prison. Ça, c'est pris en 2009. 2009, il a pris ça à ses enfants. À elle, ses enfants-là. Et ceux-là, ils sont ici. Mandela, Winnie, two daughters and grandchildren. But this voilà. One died in 2010 during the World Cup in a car crash. Ça, c'est le président Mandela et sa femme, Winnie Mandela. Ses deux enfants et ses grands-enfants, celle-là, elle est décédée. Ça, c'est la maman du président Mandela. But Mandela was not allowed. Ici, c'est la cuisine. Du président Mandela et sa femme. Ça, c'est l'enfant du président Mandela qui est décédé en 2005. Ici, c'est la chambre principale du président Mandela lui-même. C'est ici qu'il dormait. C'est ici qu'il dormait, le président Mandela lui-même. Donc, comme Mandela était de la famille royale, donc ça, c'est le lit des rois. La maison du héros national, transformée en musée. Le leader de la lutte anti-apartheid a passé 11 jours dans cette maison avant de déménager. Sa deuxième épouse, Winnie Madikizela, a alors transformé en 1977 la demeure en musée en regroupant photos de famille, souvenirs, diplômes honorifiques et présents du monde entier. Le héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, s'est donc éteint hier à l'âge de 95 ans à Johannesburg. Nous reviendrons amplement sur sa disparition dans nos prochaines éditions de 13h et de 20h. Parlons d'un autre monument qui s'en est allé le 7 décembre 1993. Il s'agit de feu le président Félix Houphouët-Boigny, fondateur de la nation ivoirienne. Son décès a laissé le pays entier en émoi. Et je vous propose de suivre une causerie débat autour d'un film sur l'héritage de ce grand homme que la Côte d'Ivoire n'oubliera jamais. Franck Wadio. 7 décembre 1993. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décède. Deux mois plus tard, ses obsèques sont organisées à Yamoussoukro, la capitale politique. Un hommage à la dimension du disparu. Mais aujourd'hui, 20 ans après, son idéal d'une nation paisible, longtemps professé de son vivant, de l'ensemble de nombre d'observateurs, a disparu. Le conseil des communicateurs du RHDP creuse le débat. Une vidéoprojection et une personne ressource tout désignée. Un compagnon fidèle de Houphouët-Boigny, Laurent Donat Fologo. J'estime que la paix perdue est un échec des héritiers, de nous tous. Je ne me dédouane pas, je ne m'exonore pas. On a connu cette situation dramatique. Peut-être qu'on n'a pas été préparé à y faire face, mais c'est fait, c'est fait. Maintenant, la question, c'est comment avancer. Les héritiers ont failli, mais à l'heure de la relance économique, après des années de crise, il y a lieu d'espérer. La condition, l'implication de tous les acteurs sociaux et politiques dans la pérennisation des idéaux de paix chers à Houphouët-Boigny. On a un programme sur 2014, la mise en boîte de toutes les grandes images de Houphouët-Boigny, sensibiliser sur l'esprit de Houphouët-Boigny, sur ses valeurs, le pardon, le dialogue. Nous pensons que le gouvernement l'a dit, il faut des gens pour répéter ça tous les jours. L'œuvre de Houphouët-Boigny mérite d'être préservée. La cause est partagée. Un grand colloque sur sa pensée et sa philosophie est même en préparation du côté de la fondation qui porte son nom dans sa ville natale, à Yamoussoukro. Un mot de santé à présent. Le premier congrès de la Société ivoirienne de parasitologie s'est ouvert récemment. On fait le point de la rencontre avec Herman Yami. Les parasites et les mycoses sont à la base d'un grand nombre de maladies. Les plus connues
le VIH, le paludisme et la bilharziose. Outre le milieu humain, ces agents pathogènes affectent également le milieu animal et végétal. Pour son premier congrès, la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie axe ses réflexions sur l'impact de ces microbes et les défis qui en résultent. En Afrique sud sahélienne, le poids est véritablement lourd. Il y a beaucoup de déserts, il y a beaucoup d'infirmités, il y a beaucoup de charges, n'est-ce pas, négatives de ces affections. Il faut pouvoir les contrôler, maîtriser ces affections et les éliminer même. 200 chercheurs et spécialistes de la parasitologie et de la mycologie de Côte d'Ivoire et de la sous-région prennent part à cette rencontre. En deux jours, ils exposeront les résultats de leurs recherches, harmoniseront leur point de vue pour décliner une stratégie efficace de lutte. C'est important que nous réfléchissions ensemble, mais nous souhaiterions aussi être accompagnés par nos politiques pour rentabiliser ces efforts que chacun fait dans son pays contre des parasitoses. La Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie existe depuis mars 2013 et son congrès est salué par la direction de la recherche scientifique et l'innovation technologique. Je rappelle qu'il s'ouvre aujourd'hui à Paris le sommet de l'Élysée sur la sécurité et la paix en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui se trouve en ce moment dans la capitale française, prendra part à cette rencontre ainsi qu'une quarantaine d'autres pays africains. Les questions de sécurité, avec notamment le dossier centrafricain du développement économique et du changement climatique sur le continent, seront abordées. Ce rendez-vous témoignera également de l'évolution des relations entre la France et les pays africains, et il est prévu pour se dérouler sur deux jours. Et c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous. Et à